Je me suis assis et j'ai appelé un cocher. Nous sommes partis. Quand je suis arrivé, il était minuit passé. Les lumières de l'appartement étaient encore allumées. Sans comprendre pourquoi elles étaient encore allumées si tard, j'ai monté les marches du perron, toujours avec cette attente de quelque chose de terrible. Et j'ai sonné.